Donc nous revoilà, je vais tout de suite vous reprendre après les dialogues. Répétez, Eagle 6, je vous reçois sur 5. Nom d'un chien, je vous ordonne de rester sur place, Bannon. Perte, retraite, terminé. Bannon, répondez, Charlie 6, nom d'un chien. Ici Eagle 6 pour toutes les unités. Reculez sur la grand place. Je répète, reculez sur la grand place. Il faut resserrer la défense. Les Russes sont partout. Ils nous massacrent. Il faut partir de là. Prenez des positions défensives, Bannon. C'est un ordre. Mais mon colonel, on ne peut pas tenir. Si vous partez, je vous abats moi-même. Ralliez votre compagnie. Réparer Charline allié, hein. C'est quand même des chars lourds bien gradés, donc réparer. Et comme constaté, c'est ce que je vais expliquer un coup. Infanterie attaquée. Parker, je viens d'avoir notre détachement de mortiers. Ils sont attaqués non loin du centre de recherche. Aidez-les si vous le pouvez. Une fois passé, ça suffira amplement. Ici. Excellent Parker. Je vous nomme à la tête des mortiers. Aidez-nous autant que possible. Eagle 6 terminé. Voilà, c'est ça que j'attends en fait. Qu'est-ce que je dois démolir ? Arrête pour tir de barrage. Non mais attends, 5. Or, pour attaquer les bâtiments occupés ou des zones terrestres, maintenez la touche de barrage artillerie, F, et qu'il y ait sera cible choisie. F. Voilà. Et le tir spécial contre tous les mortiers, c'est une frappe aux obus phosphore, qui est très efficace contre tout ce qui est infanterie. Donc la technique c'est simple, moi là où je vais me demander de tirer c'est ici. Vous regardez où il y a beaucoup d'ennemis et vous demandez d'artiller là avec Ici Eagle 6, ils viennent de partout, vérifiez vos munitions et signalez vos cibles. Daisy Kurt. C'est comme un bombe incendiaire du côté du pacte de Varsovie, mais en américain. Et si on perd cette ville, on perd toute la côte. Pas de problème. Nous devons arrêter Ivan à tout prix. Je pense qu'elle va faire à peu près 35 minutes la vidéo entière, je pense. Ça fait un hostile de moins. Restez tous en position. Repoussez-les. Alors juste parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire oh mais tout nous montre pas de destruction. Voilà. Venez mourir. Épargnez-nous vos commentaires, Bannon. Juste pour ces personnes là. Bonne désigote. Ah là, ça vous plaît? Première ligne. Donc, alors, quand ça se présente assez mal, hein. Parce qu'on est quand même de plus en plus observé, l'USS Missouri n'est toujours pas présent. Alors, ça j'aurais dû le faire avant, donc je le fais maintenant. C'est en fait une fois que vous avez fortifié à 100% les zones, vous fourbiez sur la place de l'île.
tout en n'oubliant pas de réparer les unités les plus importantes, c'est-à-dire les chars. Les gars, vous aurez vraiment besoin d'artillerie, comme vous constatez, je peux en toujours ça dans le périmètre sud. C'est où c'est important. Ils sont vraiment décidés à passer, on ne pourra pas les retenir longtemps. Vous êtes loin ? À 15 km seulement, mais on a des ennuis avec des éclaireurs soviétiques. Eh bien, ne soyez pas trop long, ou nous ne serons plus là quand vous arriverez. Ici, Eagle 6. Ils viennent de partout. Vérifiez vos munitions et signalez vos cibles. C'est le carnage. Comme j'ai dit, en haut, ce que vous avez besoin, c'est des chasseurs de chars pour cela. En réalité, que des chasseurs de chars pourraient suffire. Vous voyez, ici, 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 parce qu'ils se regroupent toujours au même endroit. Après, c'est plus dans quel contrôle qu'ils ont mis, en fait, cela. Là, ça se part lentement mais sûrement. Ok. Bon, finalement, je retire ce que j'ai dit. Les positions, c'est quand même très pratique pour certaines missions. Ça fait quand même beaucoup de dégâts aux chars. J'aime bien tout ce qui est anti-char. Juste avec beaucoup de dégâts, c'est quand même conséquent. C'est aussi efficace qu'un coup de bazooka d'infanterie, donc c'est pour ça que j'aime bien. Le mitrailleuse, ça peut être, c'est assez chiant. Franchement, quand vous avez que de l'infanterie. Et ADCA peut être pratique aussi contre les hélicos. Je crois que c'est le lieutenant Parker, cette personne, mais j'ai un doute. USS Missouri demande contact avec Force US dans Pine Valley. Je répète, USS Missouri demande contact avec Force US dans Pine Valley. Demandons coordonnées pour apporter tir de couverture. Si vous savez qui est cette personne, j'aimerais bien que vous mettez dans les commentaires. Demandons coordonnées pour un tir de couverture précis. Ici Eagle 6 dans Pine Valley. Content de vous voir, Missouri. Il nous faut un tir de couverture sur Foxtrot 6 et Eagle 5. Terminé. Bien compris, Eagle 6. Tirez pour tuer, Missouri. Eagle 6, terminé. À toutes les unités alliées, ici le colonel Wilkins de la 2e compagnie du 186e. Nous avançons vers Pine Valley depuis le sud. Identifiez vos cibles avant de tirer. Terminé. Vous avez mis le temps, Wilkins. Merci d'être enfin là. Il ne nous restait que des cailloux à leur jeter. Je n'en doute pas, Sawyer. Parker, vous êtes notre nouvel observateur. Organisez l'appui-feu depuis le Missouri pendant que je rallie le bataillon. Et là, vous allez... Ce sont les plus gros canons de la flotte que nous mettons à votre disposition, Parker. Il devrait suffire à briser la nuque des soviétiques. Mais assurez-vous de leur donner les bonnes coordonnées. Je compte sur vos talents. Eagle 6 terminé. Et il est là-bas. C'est pour ça en fait que je ne veux pas vous montrer la mer. Parce que... vous auriez pu avoir une petite idée de ce qui pouvait venir nous aider en début de partie. Mince, j'ai glissé, trompé. C'est des coordonnées bidon, j'aime bien que ça soit bon. Ouais, je vais démolir un peu à vie aussi, j'aime bien m'amuser à démolir à vie. Nous avons éliminé la cible. Bien reçu, mission de tir en cours.
Alors 4 secondes pour... je vous dis pas trop, hein, mais... Cette mission-là, ce qui est exactement dur en fait, c'est d'arriver à défendre les véhicules. Une fois que vous êtes là, vous dites-vous que la mission est finie. Vous voyez, 4 secondes pour que ça arrive, donc c'est pas très dur d'anticiper les mouvements ennemis. Le coordonnées cinématique, je crois que c'est le lieutenant Parker qu'on aperçoit, mais j'ai vraiment un doute. Que je suis en train de vraiment me demander si un coup on me voit en fait dans le jeu. Ouais, la mission est quand même assez longue, comme vous constatez, il y a énormément de choses à gérer. Donc ça a peut-être donné le mal de mer à certains, comme je bouge beaucoup à caméra. Hein. Mais je peux pas me permettre de la garder fixe. À tous les éléments du 5e bataillon, cessez le feu. Je répète, cessez le feu. La cavalerie est là et Ivan se replie. La ville est prise. Eagle 6 terminé. Youhou, nous avons réussi. J'aurais déjà vu. Débriefing, vous avez libéré la ville de Pines Valley et forcé Russe à la retraite. L'ennemi a subi un revers majeur dont il aura du mal à s'en remettre. Ce répit nous permettra de regrouper nos forces. Le président envoie d'autres gardes nationaux et d'autres unités militaires dans la zone, mais cela ne suffira sans doute pas pour repousser les Russes de Seattle. Alors nous avons réussi à garder Pines Valley. Il y a énormément de missions à faire. Nous avons eu la station de l'unité à l'ordre de mérite militaire et nous avons eu l'étoile d'argent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.